that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. Oui, oui, Duc Philippe Lebon, oui, oui. Yes, Phil the Good, oui, Phil the Good. Ah, ah, Duchesse, ah, c'est ma Duchesse, c'est ma Duchesse, oui, quoi, la journée de... La journée, mais tu sais bien que tout ce qui est à toi est à moi, il y a bien l'égalité chez nous, l'égalité homme-femme, tout ça, oui, 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 mais si, mon royaume est à toi, ma grande tour est à toi, tu sais bien. Comment ça, j'ai plus de royaume? C'est quoi? J'ai plus le royaume? Moi, le duc de Bourgogne, j'ai plus le royaume? Et ma tour, alors? Ma tour? Que j'appelle qui? Un certain Fabarel. Fabarel. Il paraît que... Alors, j'ai plus de tour? J'ai plus le royaume? Il paraît qu'il y a un certain Fabarel dans la salle. Est-ce qu'il pourrait venir m'expliquer un petit peu tout ça? Ah, monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé. Alors, expliquez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a construit cette tour, c'est... Hein? Monsieur Fabarel, vous êtes donc grand chantre de la cathédrale de Dijon et futur directeur de l'observatoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette tour? Moi, Fabarel, grand chantre de la cathédrale... Moi, Fabarel, grand chantre de la cathédrale, j'ai longtemps admiré des ducs de Bourgogne la prestigieuse tour, bâtie sur d'antiques vestiges d'origine romaine. Oui, pareil, on avait construit ça sur un mur romain, là, bon, on a construit une tour, alors il fallait... Ouais, c'était des vieux restes romains, on a construit une tour. L'ancienne tour de Brancion était moins élancée et sûrement défensive. C'est surtout par la suite, au cours du XVe siècle, que notre cher duc, le grand Philippe le Bon, en fit l'élévation dans un but prestigieux. Grâce à son érection, la puissance de ce duc forçait l'admiration. Oui, ouais, moi je suis comme ça. Moi. Je me lève un matin et puis je décide d'une érection. Comme ça, 12 mètres de haut. Hein, en plus, 3 étages. Moi, je suis comme ça, moi. J'imaginais, le soir, sur la grande terrasse, le duc en chapeau noir, entouré de ses mages. Oui, les mages, c'était... De ses astronomiens. Oui, mes astronomiens. De ses astronomiens, mais... qui scrutaient l'avenir. Je peux dire un mot sur mes astronomiens. Il y en a un qui était enterré ici, en fait. Il y en a un de mes grands astronomiens, du duc de Bourgogne. Il est en dessous, là. Qui est enterré... Par ici. Et on se voit fouiller un petit peu après, mais on va voir. Dieu est son arbre. Donc je n'étais pas. Non. Et j'imaginais le soir sur la grande terrasse le duc en chapeau noir entouré de ses mages, de ses astronomiens qui scrutaient l'avenir dans l'obscure clarté de la voûte étoilée. L'orientation nord-sud de cette belle tour se prêtait à merveille, visions astronomiques. Ouais, enfin, vous fabulez un petit peu, la Fabarel. Ah bon? Oui, vous savez, nous, on a construit la tour, vous, il y avait un mur, là. Ah bon? On a construit comme ça, le mur était est-ouest, on a construit nord-sud. Ah bon? On l'a pas vraiment fait. Ah bah, je pense qu'il a pu redresser un peu la tour. Pas sûr. Non, pas mais vous êtes un petit... Oui, mais elle se délabre, mon duc, la tour. Et l'astronomie peut la sauver! Bon, allons-y alors. De là vient mon projet sur cette antique tour. En 1739, Louis-Henri de Bourbon, le prince de Condé, m'en assure la prise
en le confiant les clés des trois derniers étages. Ceci me permettra d'assurer l'héritage, mais hélas, par malheur, je perds mon protecteur. En 1740, le prince de Condé rejoint le firmament. La tour se dégrade, le grand projet s'enlise, les finances s'estompent, il pleut sous la terrasse. Les intrigues s'encombrent et gardent les plafonds. Ouais, il y a toujours un problème avec les toilettes dans cette tour. Ça fuyait de partout, c'était une horreur. Ouais, on va en reparler. Bah oui, on va reparler des intrigues, je vous assure. De plus, je me brouille avec l'Académie, celle du sieur Pouffier, dont je fus l'un des six premiers à être intronisé, avec Lantin de Damerel, Taffinant et Derpan. On y parle trop souvent que du sexe des anges. Ah, on parle encore de sexe oh. Elle est trop tatillonne et trop de règlements en freine les progrès. Malgré tout, je survis en donnant quelques cours au collège du Godran. Cours d'astronomie qui, un jour, je l'espère, permettront aux élèves de prendre le relais des recherches célestes. L'espoir va revenir avec Richard Ruffet, grand ami de Voltaire, de Buffon et de Brosse. Il nous est très précieux. En l'an 1762, il va rejoindre enfin l'Académie. Pouffier, il la présidera, il la réformera, et de cela va naître l'Académie des sciences, des arts et belles lettres. Oui, alors si j'ai bien compris, il n'y avait pas que vous qui vous intéressiez à l'astronomie, il y avait notamment cette Académie avec des projets, notamment ils ont réalisé 21 travaux sur l'astronomie entre 1741 et 1793, ils ont observé la comète Chézot en 1744, et puis ce fameux Ruffet, accompagné de son compère Marais, ont observé l'éclipse du 1er avril 1764, ce qui semble leur avoir donné des idées pour créer un observatoire. Mais si j'ai bien compris aussi, vous n'aimez pas trop ces gens-là, regardez ce que dit Ruffet, qui rejoint l'Académie en 1762, regardez ce qu'il dit dans son histoire secrète de l'Académie. La tour carrée, un des rares vestiges anciens de l'ancien palais des ducs de Bourgogne, appelé depuis vulgairement le logis du roi, monsieur l'abbé Fabarel n'était pas astronome. Bah tiens. Il se servit de ce prétexte pour obtenir la conception de cette tour où la chronique médisante a prétendu qu'il menait habituellement des filles. C'est quoi cette histoire? Vous profitez de mes érections à vos fins personnelles? Ah. Oh, mais franchement. Me dites-moi, mon duc, prendriez-vous pour vérité cette calomnie proférée par la jalousie? Si j'ai amené quelquefois quelques fillettes dans la tour, ce n'était que quelques petites bouteilles de liqueur de Bologne. Ah ouais, donc vous les achetez comme ça, vous avec des... Mais je pardonne volontiers la mauvaise langue de Ruffet. Il devient conciliant, il est avec Marais partisan de parfaire mon observatoire dans les logis du roi. Ouais, enfin, en même temps, quand on regarde ce qu'il vous dit là, toujours dans son histoire secrète de l'astronomie, monsieur l'abbé Fabarel est l'homme le moins propre pour l'état ecclésiastique. Oh, calomnie, calomnie. Sans mœurs et sans honneur, il a passé la plus grande partie de sa vie dans la débauche et dans l'intrigue. Oh, ouais. Son esprit ne peut rester tranquille, il n'est rien dont il ne cherche à se mêler. Oh, il oblige l'un et dessert l'autre, fait sa cour et dépend d'autrui. Oh. Aussi dangereux, ami qu'ennemi, il faut se méfier, hein. Il sait s'introduire par souplesse dans les familles. Oh. Ah, vous avez déjà fait preuve de votre souplesse, vous. Mais bientôt, il règne en tyran, il souffle le feu et la discorde et finit par se faire chasser quand il fait tout le mal dont il est capable. Mais vous lui avez fait quoi, Ruffet? Vous avez couché avec sa femme, dis-toi. Donc je continue parce que c'est médisance là. Bon, d'accord, ouais. Ok. C'est vrai que après, son idéale situation de la Son idéale situation entre Paris et Marseille, sur le 5e méridien, disait Ruffet, lui semble la mieux choisie de tout notre royaume. Devant ce beau projet, pour le rayonnement de notre grande province, je consens à céder ma jouissance des trois derniers étages de ma tour préférée. Je lègue instruments d'observation et de géométrie, un très beau quart de cercle à lunettes du célèbre Butterfield, la lunette d'approche de façon Campanile, une fort belle pendule à seconde
et toute sa monture dans sa boîte d'or garni, ainsi qu'un graphomètre à lunettes d'un pied de diamètre, armé de ses lunettes de 18 pouces, tout ceci pour la somme coquette d'environ 2000 louis, mon cher. 2000 louis. Pas de micro. Alors, on voit, en fait, c'est vrai qu'on voit que ces Marais et Ruffet s'intéressent bien à cet observatoire d'astronomie cultivée avec tant de succès par plusieurs académies, aurait fait aussi l'objet de ces travaux si elle eut un lieu propre aux observations astronomiques. Et dans une lettre de 1765, il existe à Dijon, dans le palais connu sous le nom de Logis du Roi, une tour restantique de la magnificence des anciens ducs de Bourgogne, moi. Elle ne peut être employée qu'à l'observation des astres, et effectivement, M. Favaret, vous consentez à rétrocéder la jouissance dont vous avez abusé de cette tour, en disant, pour seconder autant qu'il nous en est le zèle de messieurs de l'Académie de Dijon pour le progrès des sciences, nous leur cédons les effets de la grâce qui nous avait été accordée. Et nous supplions très humblement son Altesse Sérénissime, voilà, vous pouvez cirer encore les bottes plus bas, de vouloir bien la leur accrocher avec toutes ses dépendances, comme j'en ai joui, d'accord, et de faire une correspondance astronomique au centre du royaume, qui sera de la plus grande utilité. Marais, ensuite, écrit au prisonnier. Je me rapproche enfin de leur académie. En l'an 1775, j'offre une hermine blanche dans sa cage de verre. Elle fera merveille exposée au nouveau musée d'histoire naturelle. Alors l'hermine. Hein. Ah, l'hermine. L'hermine. L'hermine, alors ça, c'est celle qui est au musée actuellement. On ne sait pas si c'est la même, mais c'est pas impossible. Juste l'année suivante, après 12 ans d'efforts, arrive le miracle. Louis-Joseph de Bourbon, le fils de Condé, grâce à l'appui de Buffon et surtout de Lalande, qui plaidera auprès du ministre des Finances Necker une aide de l'État. Le roi Louis XVI approuve grâce à l'histoire rendue. Et sa tête aussi, ils sont bien lui rendre sa tête. Ah oui. Accepte le projet du Grand Observatoire, 15 000 livres de voix et les salaires d'emploi pour son bon fonctionnement nous seront attribués. Alors il paraît que ça fait 18 000 de vos écus aujourd'hui. Enfin, les euros, les écus, je ne sais pas bien. Voilà. La terrasse se pare d'une belle coupole. Nous pouvons enfin mettre une chape de plomb, outil indispensable pour rendre enfin étanche ce toit sans lequel rien ne peut se garder. Mais là, c'est ça, la coupole que vous dites sur le toit, en fait. Mais vous avez mis un chapeau sur ma tour, mon érection à moi. Bah, il faut pour ça, fuit. Ah oui, d'accord. Okay. Évident. Bon. Ok, donc il y avait une coupole sur le toit de la tour. C'est ça. Ensuite. Mon petit abbé, vous avez. Nous achetons un souvent lunettes méridiennes pendues à seconde pour calculer les levées et couchées des étoiles. Tout cela servira à savoir où l'on est, à savoir où l'on va. Grâce à l'exactitude des tables astronomiques, nous pourrons calculer enfin les longitudes. La tour enfin sauvée grâce à l'astronomie, mon cher Duc. Et me voilà à jamais tendu vers les cieux. Formidable. On me nomme directeur pour cet observatoire. Quelques dons d'instruments et surtout des achats vont se multiplier grâce à mes relations avec l'ami Jora, ainsi que Dolalande, célèbres astronomes de notre grand Paris. Et surtout de Bertrand, cet honorable abbé, ce très grand scientifique qui représente l'âme de notre observatoire. Ils sont là, hein. Ils sont devant. C'est grâce à tout cela qu'en l'an 87, ce grand abbé génial publiera ses parfaites tables astronomiques et calculera aussi l'éclipse parcellaire du 21 décembre. Mais l'événement majeur, ô combien prestigieux, sera l'acquisition, grâce à la Jora,
d'un télescope d'Herschel de 7 pieds de long, avec miroir de bronze de grande dimension, la copie identique de celui qui permit de faire la découverte de nouvelles planètes, Uranus inconnu, par l'optique révélée. Herschel est tout de suite admis dans notre académie. Il en est très flatté. Il me fait le cadeau de ce bel instrument pour 100 guinées seulement, soit 2700 louis. Combien d'écus ? Et ce beau télescope, dont le monde entier rêve, arrivera en août de l'an 89, dans un état parfait dans son coffre de bois. Ce sera la merveille de mon observatoire. Le prestige sera grand. Grâce à cet appareil, nous aurons tout loisir pour sonder l'univers, observer enfin d'étranges nébuleuses, toutes peuplées d'étoiles. Oui, alors, vous êtes quand même un personnage assez fabuleux, fabulateur un peu, non ? Vous raconterez beaucoup de fabrerie. D'après ce que j'ai compris, Herschel ne vous a pas donné le télescope, c'est sans doute, il l'a vendu. Oui, c'est et vous l'avez, vous, les gens, vous avez fait pas mal de petits cadeaux aux uns et aux autres pour leur attirer leur faveur, que dis-je, leur faveur. Et vous avez inscrit un certain nombre de gens à l'Académie, Jora, Von Zach, Cassini, Lalande, et bien sûr Herschel, mais c'était surtout pour un petit peu le prestige, c'est pas eux qui ont demandé, c'est vous. Oh, mais c'est la diplomatie, mon cher. Ah, la diplomatie. Bon, vous vous en tirez quand même bien, vous finissez un peu en héros. Regardez ce que dit votre ennemi juré, Ruffet, à la fin, toujours dans son histoire secrète de l'Académie, mais là, il vous fait des éloges, et c'est vrai qu'on peut vous reconnaître que vous avez fait émerger cette histoire d'observatoire. Alors, Favarel, ayant repris son rang à l'Académie, présida des séances, ce dont personne ne se plaignit, bien au contraire, car Favarel enrichit l'Académie, non seulement de dons multipliés, mais encore d'une recrue de grandeur. Nous pouvons peut-être employer ce terme parce que Favarel s'occupait d'astronomie. Ah, maintenant vous êtes astronome. Comptait parmi ses relations de grands ingénieurs et astronomes, et que la recrue qui l'amena à l'Académie fut un très célèbre astronome. Donc c'était Herschel. À la séance du 17 juin 1786, il fait part d'une lettre que lui a adressée De Zach, membre de la Société Royale de Londres, dans laquelle ce savant, Herschel, lui annonce des découvertes faites en astronomie par Herschel et lui apprend le désir que manifeste Herschel d'appartenir à l'Académie de Dijon. Hein, le désir d'Herschel, c'était plutôt le vôtre. Hein. Aussitôt, et à l'unanimité, Herschel est nommé académicien honoraire. Oh, c'est pas vrai, parce que j'ai une lettre de Dozac, je pourrais la montrer, la lettre. Hein. Moi. J'ai une lettre, elle est à la bibliothèque de Dijon. Moi. D'accord. Hélas, révolte gronde dans notre beau royaume. Il sème la terreur dans toute la contrée, dans toutes nos contrées. Je sens mes forces vives et tout mon enthousiasme s'en aller peu à peu de mon corps misérable. Mais je garde l'espoir que mon observatoire restera dans l'histoire et toujours triomphera des nombreux aléas, des tourmentes futures. Bonjour, monsieur. Alors, monsieur l'abbé a créé l'observatoire, mais qu'est-ce qu'on y fait, en fait, dans un observatoire au siècle des Lumières ? J'aurais besoin d'un spécialiste. Est-ce que monsieur de Lalande, le François de Lalande, pourrait venir nous parler de tout ça ? Donc, astronome du roi, bourguignon, membre aussi de l'Académie des sciences de Dijon, et un des plus célèbres astronomes français de son époque. Très cher ami, on va essayer de s'habituer au bouillon. Très cher ami, merci. Chers confrères, mesdames, messieurs, et si vous le permettez, j'aimerais, avant de commencer, remercier et mettre en avant le zèle et l'activité dévorante de l'abbé Favarel pour ce projet de la mise en place d'un observatoire en cette tour du roi. Et vous avez, par votre action à laquelle je me suis investi, mis l'Observatoire de Dijon dans un état à servir de modèle.
c'est de donner pour vous bien faire. Et pour vous bondir, voilà mon but. De la liqueur de Bologne. Mon cher Fabarel, je vois que vous n'avez pas perdu vos bonnes habitudes. La fameuse liqueur de Bologne. Ouais, alors ça, il en distribuait à tout le monde quand il voulait s'attirer les faveurs. D'habitude, il en distribuait aussi aux filles. Mais je vois que vous êtes assez saillant, peut-être que ça peut me plaire. Pas compris. Je vous remercie et vous propose que nous la dégustions tous ensemble entre confrères. Bien volontiers. Je vous la confie. Bien, après cette parenthèse entre gentilshommes, j'essaierai devant vous de vous persuader de l'intérêt d'un tel outil de travail en cette ville. Alors, à quoi sert un observatoire au XVIIIe siècle ? À quoi sert un observatoire au XVIIIe siècle ? À notre époque, où les cités de province développent chacune leur académie sur le modèle de Paris, un observatoire est une sorte de consécration. L'édifice visible et emblématique pour une ville, chacune voulant ainsi contribuer au progrès des sciences en construisant leur lieu d'expérimentation et de recherche, mettant ainsi également en valeur le gouverneur et le roi, les présentant comme des amoureux des sciences. Nul besoin pour cela d'une nouvelle construction à Dijon. La rénovation de ces deux tours suffisant à elle seule à faire de ce point haut et dégagé une place forte de l'astronomie. Hipparque, Copernic, Tycho Brahe, Kepler, Newton, Allais, Herschel et tant d'autres, tous ces hommes, par leurs recherches dans leurs domaines respectifs, ont œuvré à faire des sciences ce qu'elles sont aujourd'hui. Et je vous invite, si vous le désirez, à découvrir les articles que j'ai rédigés dans les mémoires de l'Académie de Dijon, dont voici un exemple, sur les avancées de leurs travaux. Alors, quelles sont nos connaissances aujourd'hui en astronomie ? Nos connaissances. Donc, cette astronomie, appelée aussi astronomie des Lumières, est dans sa période pré-astrophysique. Nous n'avons pas encore la notion claire des véritables dimensions de l'univers, ni de distance des étoiles. Si l'on est sûr à présent que la Terre n'est pas au centre de l'univers, et que le Soleil n'y est sans doute pas non plus... Vous êtes sûr que la Terre est au centre de l'univers ? Je ne pense pas. Ah, ça a changé alors. Bah, écoutez, il faut nous faire confiance aussi. Donc, du coup, j'ai perdu le filon. Donc, nous n'avons pas clairement identifié où se situaient les nébulosités que l'on observe au télescope, dans la Voie lactée ou en dehors. Et même si quelques philosophes comme Kant, dont nous avons ici le portrait, ont supposé qu'elles pouvaient être d'autres univers îles comparables à notre galaxie, nous n'avons pas encore cette preuve. La vision kantienne de l'univers est particulièrement frappante par sa dimension dynamique. Le cosmos y change au cours du temps. Les étoiles vont et viennent, formant des structures variables. Cet univers étant infini, il ne peut avoir de vrai centre. Notre problème est que nous ne savons pas analyser la lumière des astres, qui reste la seule source d'information en provenance de ces objets lointains. D'accord, donc je vois bien ce que vous ne savez pas faire. Maintenant, vous allez peut-être me parler de ce que vous savez faire. On va essayer. Nous sommes à l'heure actuelle dans une astronomie de repérage, à une époque où les royaumes veulent connaître l'étendue de leur territoire et en conquérir d'autres sur toute la planète. Ils veulent le globe. C'est l'époque des grandes expéditions et de la cartographie. Il faut pouvoir se repérer sur Terre comme en mer. Et vous faites ça avec les étoiles ? Tout à fait. Nous arrivons à mesurer la position des étoiles, discipline appelée astrométrie, c'est-à-dire déterminer leurs coordonnées célestes, l'équivalent des longitudes et des latitudes. Autant la latitude d'un lieu se trouve facilement en repérant la hauteur de l'étoile polaire. L'étoile polaire, vous avez une étoile qui marque le pôle, vous ? Sachez, mon ami, que la première notion du nom étoile polaire est attribuée à un astronome bourguignon. Ah oui. Pontus de Thiard, pour ne pas le nommer. Ah oui, je n'ai pas connu, mais bon.
une vraie époque. Autant la longitude est beaucoup plus difficile à déterminer. Côté logistique, cette tour bénéficie d'un lieu permanent pour des instruments difficilement déplaçables car lourds et positionnés avec précision. Et il n'y a dans aucun observatoire de l'Europe une lunette méridienne mieux placée. Avec cette lunette méridienne, nous attendons que ces étoiles passent au méridien, exactement au sud, en notant l'heure de passage à l'aide de chronomètres. Ces mesures de longitude sont essentielles en plusieurs domaines. Pour la cartographie, l'abbé Bertrand, ici présent ce soir, ayant donné grâce à elle la position des villes de Bourgogne, ou comme Jean-Dominique Cassini, qui réalisa la cartographie complète de la France, et qui déclara de vous, mon cher Bertrand, que vous êtes l'un des plus grands astronomes d'Europe. Nous utilisons aussi ces mesures dans le domaine maritime, pour le calcul des marées, le repérage en mer, à notre époque où les grandes expéditions sont légion. Il me plaît à vous citer pour exemple ces deux vaisseaux que sont la boussole et l'astrolabe, commandés par le comte Jean-François de la Pérouse, et qui ont quitté Brest en juin 1785 pour une expédition autour du monde de plusieurs années à l'initiative de notre roi. La science du ciel est donc avisée terrestre ou maritime. Et Dijon, où il n'y a pas la mer, est dans cette course aux étoiles. Tout à fait, et qui plus est. Situé très proche du 5e méridien est, ce dernier passant en effet à Dijon, les calculs effectués à l'aide de la méridienne de cette tour s'en trouvent d'autant plus simples à établir, rendant ces mêmes calculs aisément transportables en d'autres lieux, y compris en mer. Mon cher Bertrand, vous avez, en l'année 1787, vous édité vos tables astronomiques à l'usage de l'Observatoire de Dijon, repérant ainsi les positions précises des astres pour les coordonnées de cette ville, et vous nous en parlez juste après. Ces tables vous valent d'ailleurs une grande renommée, et elles m'en font dire de vous que vous n'avez rien à envier aux grands astronomes parisiens. Cette même année, Pierre Jacotot édita également une table donnant la course du Soleil pour la latitude d'Autun, calculée à l'aide de la méridienne. 1787, encore, vos observations, cher Bertrand, faites à Dijon d'une éclipse de Soleil, servirent de référence nationale, le temps ayant été couvert à Paris. Il a l'air bien, Bertrand. Très bien, je vous le recommande. Ouais. La méridienne permet aussi d'établir certaines caractéristiques de la Terre, notamment son inclinaison et l'allongement de son temps d'orbite en comparant leur heure réelle de passage des astres à leur course moyenne. Je pourrais vous parler longuement des bienfaits de l'observatoire de cette tour du roi, permettant ainsi à Dijon de se placer comme une place forte de l'astronomie en France et en Europe. Pour ma part, j'ai rédigé nombre d'ouvrages et d'articles concernant mes travaux en astronomie. Je vous citerai mes traités d'astronomie, Astronomie des dames. Astronomie des dames. Oui, il y a des dames en astronomie. Bien que ce soit la journée de la femme aujourd'hui, nous n'en avons pas parmi nous, mais peut-être pour une prochaine conférence. Histoire céleste française et biographie astronomique. Je vous invite à faire donc à prendre connaissance de mes ouvrages. On mettra ça dans le bêtisier si tu veux. Oui, oui, on va couper au montage. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à ce cher Bertrand qui a beaucoup compté pour l'astronomie en Bourgogne. On a fait beaucoup d'éloges de cet abbé Bertrand. Qui est-ce donc? Est-ce que monsieur l'abbé Bertrand, vous voulez venir parmi nous, nous présenter un petit peu vos travaux? Alors, abbé Bertrand, monseigneur, vous êtes beau. Vous êtes beau. Je suis très beau. C'est une photo de toi? Oui. Alors, vous êtes donc astronome à l'Observatoire de Dijon, vous êtes un peu le scientifique de la bande, en fait. Hein. Oui. C'est exactement ça. Un vrai chercheur, quoi. Un vrai chercheur.
Le chercheur, c'est... Non, ça c'est pas encore. Alors, on a dit que vous étiez, alors c'est M. Lalande qui disait que vous étiez l'un des meilleurs en Europe. On le dit effectivement. Ah oui, j'ai tendance à le croire. Vous avez tendance à le croire, d'accord. Okay. Donc vous avez été recruté par M. Fabarel, et puis vous avez été aussi chargé de faire les emplettes à Dijon, à Paris, à la capitale. La capitale du royaume de France, que je ne sais même pas ce que c'est que ce truc, moi, la Bourgogne, moi. Donc vous êtes allé dans cette capitale, soi-disant, chercher des instruments. Exactement. J'avoue que j'ai beaucoup contribué à la mise en place de ce bel observatoire, comme l'a souligné notre ami Lalande, qui est un des meilleurs en Europe, mais il méritait pour cela d'avoir les meilleurs instruments possibles. C'est dans le sens. Là, c'est dans le sens. Non, c'est parce que je voulais remettre un photo, en fait. Et donc, en particulier, au cours de l'année 1784, je me suis rendu à Paris auprès de notre grand ami Edmé Jorin, grand astronome à l'Observatoire de Paris, capitale du royaume de Trudeau. Et évidemment, j'ai tenu informé en permanence mon maître Fabarel. C'est moi, c'est ma signature, c'est ma belle écriture. Votre très humble. Voilà. Et donc j'ai acquis un certain nombre d'instruments, d'ouvrages et d'autres éléments, d'outils nécessaires à cet observatoire. Et en particulier, j'ai eu l'honneur de rencontrer les plus grands astronomes parisiens et les plus grands artisans constructeurs d'instruments. Messieurs Cousin, Laplace, Monsieur Balland, bien sûr. Messieurs Meunier, Le Pote, Daguet, Le Pote, c'est le pote à vous. Oui, il est devenu mon pote. Mais le pote, c'est intéressant, le pote, parce qu'il avait sa femme, qui était astronome aussi. Parce qu'on est dans la journée des droits des femmes, il faut signaler qu'il y a quand même des femmes astronomes. Nicole Rennes. Et elle a travaillé avec Monsieur Delalande, notamment sur le retour de la comète de Halley. C'est elle qui faisait les calculs, vous voyez, c'est les femmes qui étaient les petites mains. À l'époque, elle faisait des calculs, elle n'a même pas été citée dans les travaux qui... Bravo. Enfin bref, il y a une rue Nicole Rennes Le Pote à Dijon, si vous voulez. Oui. Elle a quand même sa rue. Et j'ai eu aussi l'honneur de rencontrer le grand chimiste Lavoisier, qui nous fait l'honneur de nous promettre un don important d'un baromètre et d'un thermomètre de la plus grande qualité, en échange de lui rapporter nos observations météorologiques qui l'intéressent au plus haut point. Et bien sûr, donc, avec mon pote Le Pote, nous avons discuté de l'horloge dont nous allons avoir besoin pour cet observatoire, une horloge à seconde pour mesurer le temps très précisément, on en reparlera après, elle sera prête à l'époque indiquée. J'ai aussi acquis des cartes, je suis encore en train de rechercher un bon Jovilab. Jovilab, qu'est-ce que c'est ? Jovi comme Jovien, Jovial, Jupiter. Jovial ? Oui, nous sommes très joviaux à Dijon. Oui. C'est un petit instrument qui permet de connaître la position des satellites de Jupiter. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé un bon. J'en ai déjà un qui est pas mal, mais on en trouve un autre. Et puis, donc, au fil des mois de cette belle année 1784, j'ai rassemblé tous ces différents éléments. Et comme je vous l'écris, mon cher Fabarel, j'ai procédé à un premier envoi conséquent, puisqu'il s'agit de 3 caisses. Il aime bien les caisses. L'ami Fabarel, il va être super content, il adore recevoir les caisses. Oh oui, là, il va recevoir 3 belles caisses, envoyées par un de nos coursiers favoris. Donc, dans la première, il y a la fameuse pendule à seconde, ses accessoires et sa boîte à laquelle vous teniez tant pour la protéger dans notre observatoire. Mais pour mes travaux, j'ai aussi besoin d'un certain nombre d'ouvrages que j'ai rassemblés dans la deuxième caisse. Parce qu'il ne suffit pas d'observer, il faut faire des calculs. Et donc beaucoup de mathématiques et aussi de physique. Vous êtes un matheux. Je suis un matheux, oui. Et donc j'ai besoin de traiter, en particulier du grand Léonard Euler. Ah oui, donc Euler, vous, ça vous envoie en l'air. Mais c'est un Luc qui est enfant. Vous verrez, il y aurait une répétition. C'est pas.
Retenez bien, Euler, des traités d'algèbre, d'analyse des courbes algébriques, etc. Et aussi des éléments de physique, en particulier du grand Newton, bien entendu, mais aussi de Barat et d'autres grands auteurs. Mon cher Fabarel, je n'ai pas oublié aussi vos ouvrages que vous m'aviez demandé, d'Alembert, de Lacépède, etc. J'ai enfin trouvé mon Jovilab et différents instruments comme un astéromètre ou un cercle de Lenoir. Donc vous voyez ici, cercle de Lenoir, ça sert à quoi? Ça fait des yeux de noir, c'est vrai? Ça te perd de noir, mais ça te fait un bon. Non, pas nécessairement, mais on y voit les étoiles et on repère leur position avec précision. Et puis quelques outils comme des niveaux, une chaise d'arpenteur, etc. Voilà, donc avec tout ce matériel, nous allons pouvoir monter un bel observatoire. Oui, alors, mais à quoi ça sert tout ça? Vous en faites quoi? Eh bien, avec cela, nous allons contribuer, comme l'a dit mon cher Lalande, au progrès de la géographie, de la marine et de l'astronomie. Mais au préalable, il fallait pour cela établir des tables astronomiques. Et j'ai donc commis cet ouvrage, imprimé à Dijon chez l'imprimeur du roi, M. Frantin. Et je tiens à rappeler quelques éléments. En fait, l'astronomie est toute fondée sur l'observation à notre époque. Mais l'observation est une lumière réfléchie qui se teint souvent de couleurs étrangères. Il est donc nécessaire, pas d'effet faire, d'avoir égard aux altérations qu'elle subit, sans quoi l'on courroie le risque de prendre l'apparence de la réalité et de bâtir sur des nuages légers des théories chancelantes. Ah, l'observation plutôt que se laisser tromper par nos sens. Ça, vous êtes un vrai scientifique. À mon époque, vous seriez fait couper la tête pour ça. Je pense, oui. Aujourd'hui, on s'est fait couper aussi, mais pour d'autres raisons. Et j'ai donc établi des tables qui sont absolument nécessaires pour nos travaux. Des tables comme ça? Ah, autant pour moi. Vous parliez de tables pour l'astronomie. Moi, j'ai pensé à table et gastronomie. Non, excusez, c'est autant pour moi. Mais ça a l'air un peu plus indigeste que ça. Et ça ne sont même pas des tables longues. Non, je passe mes nuits à observer et mes journées à calculer. Et à établir ce genre de table, comme les arcs médians, qui sont les angles décrits par les astres au cours d'une demi-journée, ou d'autres tables ici sur le Soleil. Je tiens compte aussi de la réfraction atmosphérique, c'est-à-dire que notre air dévie les étoiles, il nous trompe, comme je le disais, sur la position des étoiles. Il faut donc en tenir compte, et j'ai déterminé tout ça avec le plus grand soin et la plus grande précision. Ça a l'air d'être un sacré boulot quand même, un chapeau, vous avez l'air d'être une espèce d'orfèvre de l'astrométrie, hein, Charles. Le mien, il n'arrête pas de basculer. Mais comment vous faites ce genre de table, alors? Eh bien, il faut user de beaucoup de mathématiques. Et puis, d'observation, évidemment, grâce à ce genre d'instrument, qui est une lunette américaine que nous appelons aussi instrument des passages. Donc, sur une des fenêtres de l'observatoire, il y avait ce genre d'instrument. Voilà. Nous avons pu fixer sur une des fenêtres, en haut de la tour. Ah, oui. À la fenêtre. À la fenêtre. Sur les murs. Sur le mur. Accroché. Accroché. Ah ouais. Scellé avec du plomb. Sur les conseils de notre ami Charité, constructeur de cette belle lunette, qui doit donc être parfaitement orientée au sud pour pouvoir ensuite bouger verticalement et permettre, grâce à un cercle de coordonnées, de repérer la hauteur des étoiles. D'accord. Donc, avec ça, vous faites vos tables. Avec ça, nous faisons nos tables, mais pas seulement la hauteur, il faut noter l'heure précise, très précise, du passage au sud, au méridien, de nos étoiles. Donc notre observatoire, il va ressembler à quelque chose comme ça. Voilà, c'est un peu moi en train de travailler. Ici, je travaille. Et donc, nous avons des horloges, ici, trois, pour mesurer ces heures de passage avec la plus grande précision. Et donc, nous notons, comme l'a rappelé Monsieur Lalande, l'heure de passage au méridien et les hauteurs des astres. Je vois. Et voyez-vous à quoi ça sert? Ben non, ça sert à quoi, du coup? Eh bien, inversement, une fois que nous avons repéré toutes ces coordonnées des étoiles, elles vont servir à nos marins. Qui, nos marins en mer, ouais. Pas les miens, ceux du roi. Ouais. Qui, en mer, vont repérer ces astres.
et avec l'heure de leur passage vont pouvoir trouver leur longitude et savoir où ils sont sur notre globe. C'est donc très important pour nos grandes expéditions à travers le monde. Décidément, on n'a pas la mer à Dijon, mais on travaille toujours là. Faudra un jour qu'on pense à ça, qu'on construise, je ne sais pas, peut-être pas une mer, mais une sorte de lac, vous voyez, un truc comme ça. Oui, lac à Dijon, hein, c'est pas mal. Je vais en parler au directeur, là-haut. Je parlerai à un de mes successeurs. Ouais. Oui, et puis on verra s'il y a pas un abbé, moi, chanoine. Voilà, j'aimerais. On va faire ça. On aura un peu la mer. En plus, il paraît que le lac dont on parle, il est exactement sur le 5e méridien, en plus. Oui, alors, mais quand je vois tous ces schémas-là, je me dis que vous êtes un peu géomètre dans votre genre. Je suis géomètre. Vous êtes géomètre. Il faut utiliser beaucoup. À fond géomètre. Vous êtes le prince de la géométrie. Vous êtes trigonomètre. Je suis trigonomètre. Ah, c'est bien. Et je revendique. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai même commis un petit article pour le supplément de l'encyclopédie de nos amis Diderot et d'Alembert sur la fonction sinus. Vous apparaissez dans le supplément de l'encyclopédie. Oui. Mais alors, c'est bizarre, ces machins-là, c'est quoi ces trucs-là, ces signes-là, c'est quoi ça? Ah, imaginez, mon cher Duc, que je dois pour cela invoquer des nombres imaginaires. Une racine avec un nombre négatif. Oui, oui. Les mathématiciens qui sont venus après vous ont appelé des nombres complexes. Des nombres complexes. C'est très complexe. Oui. Voilà. Vous êtes beaucoup dans l'imagination, en fait. Oui, oui. Vous êtes dans les étoiles. C'est important pour les sciences. Oui. Et donc voilà, j'ai établi des formules pour les fonctions sinus qui sont très utiles pour nos calculs. D'accord, bon, bah, repérer la position des étoiles, c'est bien, mais vous avez d'autres passions dans la vie, vous faites que ça, ou bien vous avez une vie quand même. Oui, j'ai d'abord une autre vie astronomique, parce que, bon, c'est vrai que tout ça est fort utile pour. Nos marins, etc. Mais nous commençons aujourd'hui à nous intéresser un petit peu à ce que nous appelons la physique des étoiles. Savoir que sont les étoiles, où sont-elles, à quelle distance, quelle est leur taille. Comme l'a dit notre ami Lalande, nous ne savons pas encore bien comprendre leur lumière aujourd'hui. Mais j'ai néanmoins également commis ce petit opuscule. Donc quand tout le monde faisait de l'astronomie de position, vous pensiez déjà à l'avenir, et à savoir quelle est la physique des étoiles. Mmh. Je vous recommande la lecture de ce petit ouvrage, qui est très simple, mais très instructif. Et on dit donc, l'homme ne saisit que les grands objets, ne mesure que les petites distances, son œil égaré se perd dans l'immensité de l'espace, pour en sonder la profondeur, il lui falloir un nouveau sens, et le télescope lui a donné. Oui, vous avez un télescope. Nous avons un télescope, comme cela a pu souligné par mon maître Fabarel tout à l'heure. En fait, pour observer ces étoiles, la lunette méridienne ne suffit pas. Je souhaitais donc un autre instrument. Nous avons d'abord cherché une lunette, et il nous fallait une lunette qui ne trompoie point nos sens en modifiant les couleurs. C'est ce qu'on appelle une lunette achromatique. Vous prenez l'accent au fur et à mesure. Or, ces lunettes achromatiques nécessitent des verres particuliers qui sont fabriqués de nos jours en Angleterre, mais nos amis anglois ont des problèmes d'approvisionnement de ce verre flint, et il n'a pas été possible d'obtenir cette lunette. Avec les angles, vous calculez les sinus aussi ? Les angles, oui. Les anglois. Oui. Et donc, fort heureusement, notre grand ami Jora nous a orienté vers un nouvel instrument. Ouais, pas tout à fait nouveau, il a été inventé par le grand Newton, c'est le télescope. Mais il avait été un petit peu oublié, il revient actuellement au goût du jour, et nous avons été mis en relation avec le baron Fonzar, qui travaille en Angleterre et qui nous a orienté vers le grand William Herschel, qui, comme ça a été rappelé auparavant, a découvert la planète Uranus. Et donc mon ami Fabarel a été en contact étroit avec William Herschel pour obtenir ce fameux télescope. Voici en exclusivité ce soir une lettre de la main d'Herschel, c'est signé Herschel, c'est en anglais évidemment. Et donc nous avons obtenu en août 1789 ce fameux réflecteur newtonien de 7 pieds de long.
Et Fabarel, il appelle Révérend Monsieur. Révérend Monsieur. D'accord. Et à part ça, vous avez d'autres passions? Vous avez des choses un peu plus terre-à-terre ou pas? Terre-à-terre, non, mais R-A-R, oui. Ah, donc peut-être pas que de la mathématique de l'air, vous faites de la physique de l'air aussi. Oui, de la physique en l'air. C'est là où il fallait mathématiques de l'air, physique de l'air. Je me passionne pour toutes les nouvelles découvertes de notre temps. Savez-vous, mon cher Luc, qu'il y a peu, les frères Montgolfier ont inventé un nouvel engin extraordinaire qui permet de s'élever dans les airs. Mais tu voles. Un ballon. Ah oui, il vole. Voilà. Ah oui, on appelle aussi voler. Montgolfier. Alors, nous n'avons pas résisté à Dijon à reproduire cette belle expérience des frères Montgolfier. Et avec mon ami, le chimiste Bourguignon, qui tombe mort, nous avons fait construire un ballon un peu différent de celui des frères Montgolfier, puisqu'il est gonflé au gaz inflammable. Attention aux dangers. Ah oui, alors toujours cette envie de vous rapprocher des étoiles, en fait. Mais on vous voit, vous êtes là, vous, en fait. Vous êtes sur cette armure. Je suis là, je suis là. Ouais. Voilà, et, avec Piton. Et vous avez des rames. Et oui, parce que nous voulons faire mieux que les frères Montgolfier, pas seulement nous laisser porter par les vents, mais essayer de nous diriger pour aller d'un endroit à l'autre par la voie des airs. Et nous avons donc réalisé deux vols à Dijon, en partant de la place de l'intendance, et le premier vol a été jusqu'à Magny-les-Auxonnes, et fut fort admiré par les chroniqueurs de l'époque. Et donc le deuxième engin qui s'est élevé dans les airs a été envoyé de ma bonne ville de Dijon. C'est pas beau ça. Qu'est-ce que je suis fier de vous? Vous pouvez. Et on peut lire donc, Dijon, lève aujourd'hui ta tête triomphante, regarde tes enfants qui d'une aile naissante s'élançant dans les airs, élève jusqu'aux cieux leur vol audacieux. Vois Morvaux, vois Bertrand, vois ces nouveaux dédales, dont les noms à jamais vivront dans nos annales, du séjour de l'Olympe enseigner les chemins aux timides humains. Ah, c'est beau, c'est poétique en plus. Et il semble que vous vous intéressiez pas que à l'astronomie pour vous. Vous voulez vous rapprocher des étoiles, vous faites de la science, mais c'est, vous êtes un peu humaniste en fait, vous êtes poète, vous êtes humaniste. Oui, car notre belle science d'astronomie permet de grands progrès, on a parlé de la navigation, mais je m'inquiète un petit peu du sort de notre monde aujourd'hui, car tout n'est pas si rose, et si l'astronomie nous a permis de voyager loin, ces voyages ont quelques conséquences néfastes, à mon avis. Et voici un petit texte que j'ai lu devant notre prince de Comté le 26 novembre 1787, à notre académie, en dressant un tableau de l'astronomie de notre temps. Et pour moi, peuple ami du ciel, enfant chéri de la nature, que votre humanité coûtera cher à vos descendants. Je parle des natifs d'Amérique. Je m'arrête ici, mon cœur se serre, des larmes échappent à mes yeux, et peu s'en faut que je ne compte plus la découverte de l'Amérique parmi les bienfaits de l'astronomie. Ouais, c'est beau. Donc vous êtes sensible, en fait. Vous pensez, vous, que l'astronomie, c'est pour le bien de l'humanité, c'est une noble cause. Une très noble cause. Bon, vous m'avez convaincu. Un jour, il faudra qu'à Dijon, on fasse une espèce de société savante, on fasse quelque chose comme ça, vous voyez, de l'astronomie pour le bien de l'humanité, hein, pour donner du plaisir aux gens. On appellerait ça, je sais pas, Société Astronomique de Bourgogne, un truc comme ça. Excellent, excellent. Ouais, ce serait bien. Moi, je vois bien, je sais pas vous, mais ça pourrait être... Ça va bien. Hein, je crois que... Attendez. Ah, excusez-moi, tout le monde. Ah, oui. Ah, c'est politique, toujours. Hein. Merci, monsieur Bertrand, merci, on peut l'applaudir. Oui, mais c'est ma duchesse. Bonjour, ma duchesse. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais un problème? Un problème à la tour? Un problème de latrine? Oh. Quoi, t'as pas appelé ton billet? Bon, j'arrive, à tout de suite. Bon, excusez-moi, j'en ai pour 2 minutes, là, je reviens, il y a un problème à la tour. 2 minutes, hein. Ah! J'ai entendu parler de l'astronomie comme les bienfaits de l'humanité. Alors je me présente. Moi c'est mon truc ça. Je me présente. Famille Flammarion, astronome du 19e siècle. Enfin moyen. Il est un peu plus touffu. Je vais essayer. Alors,
Ce Camille Flammarion, donc, se sentait lui-même Dijonais, se sentait bourguignon, il est né en Haute-Marne, il se sentait bourguignon. Et c'était un astronome, donc un des plus célèbres de France à l'époque, et surtout un très grand vulgarisateur. Il a créé la Société Astronomique de France pour justement faire de l'astronomie populaire. C'était son combat. Et il voulait que l'astronomie apporte de la connaissance à tout le monde, un petit peu comme on essaie de faire ce soir, et que l'astronomie se développe non plus seulement entre chercheurs spécialisés, mais auprès du public, le plus nombreux possible. Alors, en tant que Camille Flammarion, je vais vous conter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cet observatoire depuis 1784, en fait. Donc au départ, on sait qu'on avait une tourelle sur la tour Philippe Le Bon. Donc ça me paraît bizarre de voir ça aujourd'hui. Il y avait une petite tourelle dans laquelle on abritait des observatoires, peut-être le télescope d'Herschel. Et puis il y a toujours, d'ailleurs, à l'intérieur de la salle, juste en dessous de la terrasse, il y a toujours une méridienne. On va en parler aussi tout à l'heure. Une méridienne, c'est une ligne nord-sud comme ça, et le soleil, au cours de son trajet, au cours de l'année, fait une tache qui vient marquer différents points. Donc il est au plus haut en été, au solstice d'été, donc la tache sera ici, ce sera un rond comme ça, et il est au plus bas en hiver avec une tache qui sera un petit peu elliptique comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on peut encore voir là-haut dans la tour, qui peut se visiter. Donc elle a été tracée vraisemblablement par Fabarel, on n'est pas trop sûr de la chronologie de tout ça. Elle aurait été démontée quand il y a eu le projet de refaire l'observatoire, et puis replacée en 1784. Donc on a plusieurs sources, on dit que c'est M. Roger qui l'aurait replacée, on ne sait pas exactement. Ça fait partie des recherches qu'il faut encore faire. Et puis on a des inventaires de ce qui s'est fait à l'époque. Donc après... Tous les achats faits notamment par M. Bertrand. On a une liste des dépenses ici qui correspond pas mal à un inventaire qui est fait en 1792 qui récapitule un petit peu tous les objets qu'il y avait dans cette tour, dans cet observatoire. Jorat notamment disait à Fabarel dans une lettre qu'il avait plus d'instruments que lui, Jorat, n'en verrait jamais, donc on était particulièrement bien équipés. Une chose aussi, à la fin de cet inventaire, c'est que les instruments, visiblement, appartiennent à la province de Bourgogne, et non pas à l'Académie. L'Académie reconnaît avoir reçu du commissariat de la ci-devant province de Bourgogne, les livres et instruments... indiquées dans le présent inventaire, lesquelles elles s'engagent à rendre conformément à leur délibération. Donc il faudra qu'ils les rendent, à part ceux qui ont été donnés par M. Chartrère, Fabarel ou Jorat, qui appartiennent à l'Académie. Voilà. Donc les instruments, ça va être important pour plus tard, ils n'appartiennent pas tout de suite à l'Académie. Alors, il y a quoi dans cet observatoire? Il y a des instruments, comme on a dit tout à l'heure, des instruments pour l'astrométrie, donc une lunette méridienne. Et puis il y a un quart de cercle. Alors, vous voyez, un quart de cercle, en fait, c'est un petit peu comme ici, on a un quart de cercle gradué. Là, on a carrément le quart de cercle ici, et puis une lunette, donc qui nous permet de voir la hauteur des étoiles. C'est toujours le passage au méridien. Ça nous permet de voir à quelle heure passe tel astre au sud directement, pour pouvoir faire les tables dont nous parlait Monsieur Bertrand tout à l'heure. On a aussi des horloges, évidemment, donc une horloge ici, une horloge de Le Pôt, dont on a parlé tout à l'heure, une horloge de Le Pôt, et puis on a vu déjà cette image tout à l'heure, avec une lunette méridienne, des horloges, et un astronome, peut-être Monsieur Bertrand, pourquoi pas. On a aussi des instruments pour la cartographie. Notamment, vous voyez ce genre d'instrument. En fait, c'est un cercle avec deux lunettes qui s'utilise à l'horizontale, qui permet en fait de viser deux points. Il y a des gens, vous voyez, on peut s'imaginer que
quelque part, il y a des gens qui sont avec un sémaphore, qui s'agitent comme ça, ou alors on fait sur des points du relief, et on peut comme ça faire des triangulations pour essayer de cartographier un territoire. Et puis vous avez la même chose en plus petit, vous avez une espèce de carte de cercle comme ça, qui fait 19 cm avec deux lunettes ici, qui sert à la même chose, qui sert pour la cartographie en fait, qui sert vraiment, pas dans l'observatoire ce coup-ci, mais plutôt dans des campagnes de mesure sur le terrain. Alors cet instrument-là, il est toujours à Dijon, on sait où il est à l'université, et il a officié donc dans l'observatoire. On a aussi des niveaux à bulles, vous voyez, ça c'est un niveau à bulles muni d'une lunette pour bien avoir l'horizontale quand on fait notre cartographie. On a une chaîne d'arpenteur, on a un compas à quatre pointes qui permet en fait, vous avez deux petites pointes ici, et puis deux grandes qui permet en fait de faire un report d'une carte à l'échelle en fait. Si vous avez une carte et que vous voulez la reproduire en multipliant la grandeur par deux, ben vous mettez le bon rapport ici, et voilà, donc c'est un petit peu fastidieux, mais ça peut se faire. Ensuite, on a des instruments pour l'observation extra-méridienne, c'est-à-dire pour l'observation des astres, peu importe, pas forcément pour la marine ou pour la cartographie, mais simplement pour observer les astres eux-mêmes. Donc vous avez un astrophanomètre, qui est aussi appelé astéréomètre, qui sert quand vous avez la position d'un astre au méridien, à savoir à quelle heure il se lève et à quelle heure il se couche. Voilà, vous avez un jovilable, comme on disait tout à l'heure, donc ce dont M. Bertrand parlait tout à l'heure. C'est ce genre de choses, un jovilable qui permet de savoir où sont positionnés les satellites de Jupiter à chaque instant, pour pouvoir les observer. Et puis, des cartes célestes, évidemment. Mais avec, on avait dans l'observatoire de Dijon des cartes qui étaient très de cartographes qui étaient très réputés, donc des cartes du ciel du père Chrysologue de J, notamment, ou de Flécheux. Si vous regardez une carte d'un planisphère de Flécheux aujourd'hui, vous en trouvez en vente aux enchères à près de 30 000 euros. Oui, ce genre de choses. Donc il y avait ça dans l'observatoire de Dijon. Vous avez une carte de lune de Cassini, il y avait plein de choses, vraiment un bel équipement. Et puis des lunettes aussi, ou des télescopes pour l'observation des astres. Alors, c'était des optiques plutôt anglaises, à nous les petites anglaises, avec une lunette de Dolon, une lunette de Ramsden, qui étaient deux grands noms en fait de l'optique anglaise, et puis le fameux télescope d'Herschel, qui est, vous l'aurez remarqué, un petit peu notre Graal à nous. Alors, après cet observatoire, donc l'âge d'or, c'était jusqu'à c'était au moment où il y avait Bertrand et Fabarel qui étaient dans l'observatoire. Mais l'abbé Bertrand, en fait, meurt en 1792. Il est en voyage, en fait. Il fait partie d'une expédition, justement, maritime. Et il meurt au Cap en 1792. Et puis Fabarel meurt. Il était déjà plus tout jeune. Pauvre monsieur Fabarel. En 1793. Donc à partir de là, c'est vrai que les problèmes commencent à s'accumuler parce que l'Académie, c'est la Révolution, hein, c'est une société savante de l'Ancien Régime, donc les révolutionnaires n'aiment pas trop ça. L'Académie est dissoute en 1793, puis rétablie en 1802. Par-dessus ça, toujours la Révolution, la prise de la Bastille, l'anniversaire de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1800, il y a un incendie dû à un tir de feu d'artifice. Donc, la lunette méridienne et le grand cercle sont détruits, apparemment. Et le télescope d'Herschel est remis en état par Pierre Jacotot, qui est aussi un des grands noms, on en a parlé tout à l'heure, un des grands noms de l'Observatoire de Dijon, qui sera à ce moment-là directeur, en fait, à partir de 1802. On voit que sur des gravures, on voit que la coupole est encore visible en 1808, mais qu'en 1820, elle a disparu. Donc, ça fait déjà une amputation de cet observatoire. Ensuite, il y a la guerre des académies.
C'est-à-dire que voilà, l'Empire, la Révolution puis l'Empire vont décider, Napoléon décide que tous les cours qui sont donnés ne seront plus donnés par des sociétés savantes. Fabarel donnait des cours d'astronomie avec l'Académie des sciences, arts et belles-lettres. À partir de Napoléon, les académies telles qu'on les connaît maintenant remplacent les sociétés savantes. Donc, l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon est sommée de déguerpir, en fait, de ces locaux qui sont rue Monge. À l'époque, vous savez qu'il n'y a encore pas très longtemps, il y avait le rectorat rue Monge, donc c'était les anciens locaux de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. Alors, le recteur de l'Académie, c'est Jacques Otto au départ, donc la cohabitation se fait plutôt bien. Il ne les expulse pas tout de suite, hein. Il leur accorde le droit de venir faire leur séance rue Monge. Et puis, après son décès en 1821, l'Académie a expulsé littéralement les locaux. C'est vraiment une guerre, hein. Si vous voyez les lettres, les courriers qui s'échangent, c'est assez violent. Et puis, la ville récupère même les instruments de l'observatoire, et vous voyez, sur le cadre de cercle que je vous ai montré tout à l'heure, il y a une indication « Ville de Dijon ». Donc à partir de ce moment-là, ils ont marqué les instruments « Ville de Dijon » pour dire « ça c'est à nous, c'est pas à l'Académie, c'est à la Ville de Dijon ». Donc c'est un peu le problème, c'est un peu le début de la fin pour l'Observatoire de Dijon, enfin c'est en tout cas une belle mise en sommeil. Entre 1821 et 1844, il ne se passe rien, il n'y a pas de directeur, il n'y a rien du tout. Et puis, elle est reprise en 1844, la direction est reprise par Alexis Perret, qui est un célèbre sismologue, donc dijonnais. Et puis, Coignard en 1867, et ça devient plutôt, vous voyez, c'est des physiciens de la faculté, mais c'est plus des astronomes, en fait. Donc, ce qui va se passer dans cet observatoire, ce sera plus des observations météo. Ce sera plus de la météorologie. Alors on retrouve notamment, il y a ce joli plan là de la salle qui est juste en dessous de la terrasse, qui montre la méridienne ici. Ce plan a été fait par Alexis Perret, on le retrouve dans l'inventaire de 1844. Et puis on retrouve une liste des instruments, donc il y a les mêmes instruments qu'on avait déjà, mais il n'y en a a priori pas trop de plus. Et puis il y a surtout énormément d'instruments qui apparaissent, qui sont des baromètres, des thermomètres, enfin tout pour faire plutôt de la météo que de l'observation astronomique. En 1875, on a encore mention d'achat à l'observatoire qui concerne plutôt la météorologie aussi. Donc c'est plutôt, plus dans une activité de météo. Et puis même Urbain Le Verrier cite Dijon dans les observatoires météorologiques. Alors à l'époque, les deux se faisaient ensemble, hein, l'Observatoire de Paris faisait aussi de la météo et de l'astronomie, mais à Dijon, on avait plus une tendance à faire de la météo. En 1880, décès du directeur, il n'y a pas de successeur, on a retrouvé un témoignage d'un des astronomes dijonnais connus qui monte dans la tour et qui voit cette salle avec plein d'instruments qui sont poussiéreux, et qui dit je savais même pas qu'il y avait un observatoire ici, donc il est presque oublié cet observatoire. Et les instruments prennent la poussière et les instruments finissent par être cédés à la faculté. On a ici un inventaire de 1900 où on a les instruments qu'on trouve encore aujourd'hui. Donc il y a cet instrument-là qui est marqué aussi à la ville de Dijon, qu'on trouve actuellement à l'université. Donc il y a le cadre de cercle dont je vous parlais tout à l'heure, le grand cadre de cercle ici, et puis une lunette qui doit être celle-ci, puis il y a un autre télescope, qui a priori existe toujours, mais qu'on n'a pas encore retrouvé. Pourtant, il se passe des choses, la Bourgogne est active, il y a une vraie Bourguignon Connection, on peut le dire, dans le sillage de l'astronomie populaire que j'ai moi-même fondée.
mais pas à Dijon. Alors c'est assez bizarre puisque moi je crée la Société Astronomique de France finalement avec des Bourguignons, avec Gustave Eiffel, dont on connaît les tours, mais assez peu le passé astronomique finalement. Mais Gustave Eiffel fait partie du premier conseil de la Société Astronomique de France. Ainsi que Georges Bidault de Lille. Alors Lille, c'est pour Lille-sur-Serein, c'est dans Lyon, c'est pas très loin d'ici. Donc c'est en Bourgogne. Donc deux Bourguignons célèbres, plus Camille Flammarion, moi-même, qui me sent très très Bourguignon. Et puis partout en France, on a des directeurs d'observatoires qui sont aussi Bourguignons. Félix Tisserand, de Nuit-Saint-Georges, qui a été directeur de l'Observatoire de Toulouse, puis de l'Observatoire de Paris. Louis-Jules Bruet, qui a été directeur de l'Observatoire Besançon, qui a même construit un cadran sur le modèle de celui qui est au parc de la Colombière à Dijon. Benjamin Bayot, qui est directeur de l'Observatoire de Toulouse, puis de l'Observatoire de Paris. Pendant qu'il est directeur de l'Observatoire de Toulouse, il aide au projet de l'Observatoire du Pic du Midi. Et puis ses fils, eh bien, il y en aura un, Jules, qui va être directeur de l'Observatoire du Pic du Midi, et l'autre, René, qui va être directeur à Besançon. Et puis, il y a des Bourguignons qui construisent des observatoires. Nansouty, qui aide la construction du Pic du Midi. Nansouty, en fait, c'est assez rigolo comme nom, parce que c'est la contraction de Nansoutil. Vous voyez, le THIL. Le til, donc c'est typiquement côte d'Orient, c'est pas trop loin non plus. Et puis Gustave Eiffel qui construit la coupole de l'Observatoire de Nice. Et puis en dehors de ça, vous avez l'architecte Comon qui construit le cadran solaire du parc de la Colombière, qui est un des trois premiers de ce type-là en Europe, et qui sont tous une spécialité un peu dijonnaise. Donc vous voyez, entre Eiffel, Tisserand et puis Bayot, et puis les autres, on a quand même des Bourguignons qui sont très actifs dans le paysage astronomique français. C'est le BAF, le paysage astronomique français. Mais on va avoir une renaissance quand même de notre observatoire de la Tour Philippe le Bon sur une idée de Gasser, qui est à la fois archéologue, météorologue et un peu astronome. Donc il veut re-glorifier l'histoire de cet observatoire. Et donc en 1921, on a le docteur Cantenot qui est président de la toute nouvelle commission d'astronomie de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. Et puis Flammarion, moi-même, je serai président d'honneur de cet observatoire. Et le télescope de Herschel sera rénové par Maurice Duvivier et Georges Bidault de Lille. On aura une inauguration en 1921 par Gaston Gérard, qui est maire à l'époque, qui ne fait pas que du poulet. Et à la foire, donc la tour est ouverte les midis et les soirs pendant toute la foire, et les Dijonnais peuvent monter à la tour visiter cette salle d'astronomie. Donc on peut. Voilà, ce serait intéressant de refaire ça, non ? Refaire visiter cette salle d'astronomie avec. Eh bien, on va le faire. Et puis voilà, il y a tout un texte ici qui décrit un petit peu, un texte issu de la revue Bourguignonne, qui décrit un petit peu l'ambiance qu'il y avait, rien de plus curieux que cette salle rectangulaire de plus de 9 mètres de long avec fenêtres hautes, etc. On y décrit une lunette secrétant qui est donnée par Cantenot, on y décrit des instruments, c'est beaucoup de prêts, Gasser qui a offert plusieurs instruments, etc. Espérons que le nouvel observatoire, qui ne renferme pour le moment que des souvenirs rétrospectifs, sera doté bientôt d'instruments plus modernes, et ce sera fait. On dit aussi que le télescope d'Herschel a été rénové. Les adhérents de la commission d'astronomie ne se proposent pas, évidemment, de découvrir les nouvelles planètes, ni les habitants dans la Lune, ni les ouvriers des canaux sur de Mars, ça c'était le grand truc de Flammarion. Ils ont seulement comme but, en cultivant l'astronomie, de s'élever au-dessus des vulgarités de la vie, de ses brutalités, de mettre un peu d'idéal de leur existence et en face des merveilles célestes, de mieux comprendre l'univers. Ben ça, c'est pas mal la philosophie de notre assos et de Flammarion. Et donc, eh bien,
voilà un petit peu à quoi pouvait ressembler la salle. Vous voyez qu'il y a des choses au mur, il y a le télescope et tout. On voit même une gravure avec le Mont Blanc. Tout ça, eh bien, aura duré jusqu'à... Donc, vous voyez, il y avait l'idée de se parer d'un nouvel instrument. Il y a l'achat d'une lunette Mela par souscription en 1925. Et puis, jusqu'à ce que, en 1940, Monsieur Duvivier écrive, j'ai été informé il y a quelque temps par Monsieur le secrétaire, que les livres, meubles et objets divers appartenant à l'Académie et réunis dans la salle supérieure de la Tour de Philippe Lebon ne sont plus en ce lieu. Alors là, vous voyez que le premier instrument de cette liste est un instrument de... est une lunette Mela, justement. Et donc, à la guerre, ben plus rien. Alors là, j'aimerais bien que quelqu'un vienne me parler de ce qui s'est passé depuis, je ne sais pas, une sorte de membre de la Société Astronomique de Bourgogne, un Sabien, un baroudeur, je ne sais pas, quelqu'un qui... voilà. Voilà. Il y a des gens qui... Donc ouais, le chapitre suivant s'ouvre en 1940, le 17 juin 1940, je tourne un petit peu long, bien, je suis désolé, mais ça fait partie de l'histoire. Donc le 17 juin, les troupes allemandes occupent Dijon. Et heureusement, avant ça, le préfet a donné l'ordre d'évacuer le musée des Beaux-Arts, qui a été parti évacuer en grande partie au château de Châteauneuf-en-Lançois. Et nous, la question, c'était de savoir si la salle d'astronomie qui était au sommet de la tour a été évacuée ou pas, avec toutes les œuvres du musée des Beaux-Arts. Donc on n'a aucune trace de ça. La seule certitude qu'on a, c'est qu'à la libération, la tour était vide, il ne restait plus rien. Donc là, c'est une petite image de la guerre de Dijon qui était pratiquée par les Allemands pendant les conflits. Donc... on a retrouvé cet inventaire de Maurice Duvivier avec la phrase un peu énigmatique qui dit que les instruments ne sont plus dans ce lieu. Enfin, bon, la phrase est claire en soi, ils ne sont plus là, mais ça peut laisser entendre soit que les Allemands les ont volés, les ont embarqués, soit que la résistance aurait pu les sauver, ou je ne sais pas qu'ils auraient pu être évacués avant, mais on peut entendre ce qu'on veut, parce que forcément Duvivier, s'il en savait plus, il ne pouvait pas noter tout ça par écrit. Une occupation. Les instruments qui ont donc été perdus officiellement faisaient partie des dommages de guerre ensuite que l'Allemagne a dû payer à la France. Quoi. Et puis. Ça, c'est une lunette qui est actuellement à l'Académie. Alors, il y a eu un instrument qui a été rendu, en quelque sorte, acheté à l'Académie, à la faculté. Et il y en a une, on suppose que c'est peut-être celle-là, c'est une lunette secrète. Donc vous la verrez, si vous assistez à des conférences à l'Académie des sciences, arts et belles-lettres, la rue de l'école de droit, vous verrez cet instrument-là, qui date d'un siècle à peu près aussi, qui est là. Et on suppose que ça a été donné après la guerre. C'est ça. Et ensuite, suite à ça, donc dans le milieu universitaire de l'époque, hein, jusqu'à assez récemment, l'hypothèse, c'était que tout avait disparu, les Allemands avaient tout pris, il n'y avait pas de doute là-dessus. Quoi. Ensuite, c'est une question extraordinaire, même s'il y a des gens un peu bizarres. Et on va pas dire tout ce que vous voulez dire. Et des tombeaux tout aussi bizarres, d'ailleurs, ça fait un débat. La SAP qui a été créée par Jean-Claude Merlin, un peu comme la descendante directe de la commission d'astronomie et de météorologie de l'Académie. Et au sein de la SAB, toujours quelques années plus tard, a été créé le groupe investigation. Alors, elle a été créée en 1975, ouais. Et le groupe investigation date de dizaines d'années à peu près. Très bien, merci pour les précisions. Je crois que j'en étais. Pas Flammarion, mais celui qui est en dessous. Et donc le groupe d'investigation, c'est une bande de passionnés à la fois d'astronomie forcément et d'histoire, qui mènent beaucoup de recherches sur toute l'histoire de l'astronomie régionale, la riche, riche histoire de l'astronomie régionale, avec des messieurs comme Michel Potier, entre autres, et René Fogère qui ont travaillé.
et qui, René Fougère, qui a restauré la méridienne de la salle qui a sous la terrasse là-haut. Donc la méridienne, on voit la photo là, c'est une bande de laiton qui est entourée d'une semelle de cuivre. Alors une méridienne, c'est le, en fait, c'est la matérialisation de l'intersection entre le plan du sol du lieu où on se trouve et le plan méridien, c'est-à-dire la ligne imaginaire qui relie le pôle nord au pôle sud. Et donc il y a un trou qui est fait dans le vitrail de la fenêtre. Donc là on voit c'est la fenêtre sud de la tour Philippe Le Bon, c'est du côté de la place de Libération. Et quand le soleil passe au midi vrai, et ben, il passe dans ce petit trou qui a été fait dans le vitrail et vient poser ses marques sur les méridiennes qu'il y a au sol. Quoi. Je le présente un peu parce que je pense. Et puis soudain, le 12 octobre, 2015. 12 octobre 2015, le gros rebondissement dans le groupe des investigateurs de la salle. On reçoit un message sur le Facebook de la salle d'un dénommé Guy Barabel, un astronome amateur du sud de la France, qui nous envoie des photos d'une brocante dans laquelle il a vu une lunette Mela qui correspondrait en tout point à celle qui était décrite dans nos inventaires. Et cerise sur le gâteau, il nous envoie une autre photo avec des étiquettes qui sont sur le coffre de la lunette, qui était stocké dans un coffre en bois. Et sur ces étiquettes, on voit clairement les tampons de l'Académie des sciences arts et belles-lettres de Dijon. Donc, commission de météorologie et d'astronomie. Académie des sciences arts et belles-lettres de Dijon. Et du coup, là, bingo, on a retrouvé ce qui était juste l'instrument principal de l'observatoire à l'époque. Quoi. Donc là, on s'est enflammé un petit peu. Oui, le soir même, on a une groupe d'investigation se réunit à la salle. Voilà, le président nous a annoncé ça, le président Rick Chariot, les cheveux longs, les idées moins courtes. On s'est un peu enflammé, on était chaud pour aller pêcher la lampe, parce que les cheveux longs, ouais, mais on ne connaissait pas. Non, tu pas. Mais bizarre aussi. Donc le lendemain matin, je suis descendu à Pézenas parce que la brocante, pour ne rien cacher, c'était dans le sud de la France, du côté de Béziers. Le lendemain. Le lendemain, j'étais parti. Quelques heures, quelques heures après, j'étais parti. Et le truc, c'est que j'étais dans une brocante. Donc, n'importe qui pouvait l'acheter n'importe quand, on pouvait la reperdre en un instant. Quoi. D'ailleurs, on y achetait peu parce que j'étais descendu l'acheter le mardi. Et le jeudi, deux jours après, il y a un Anglais qui est descendu d'Angleterre à Pézenas spécialement pour acheter cette lunette. Ouais, il avait eu un faux aussi, tout comme nous. Et deux jours après, il a fait le trajet d'Angleterre pour venir l'acheter. Donc, c'est pas passé loin pour le faire. Alors, c'était un vrai périple. Vous avez affronté, vous avez grimpé des tours de la voiture. Vous avez vaincu des dragons. Ouais. C'était qui, bravo. J'ai vaincu des bouchons déjà. C'est beaucoup. Mais vraiment, c'était plutôt une vipère, une bonne vipère bien vénale, c'était la brocanteuse. C'est une commerçante, c'est son boulot. Mais sachant qu'elle sera attirée par l'argent, je me suis dit, si elle sait que je suis un astronome de Dijon, et qu'elle fait le lien avec la lunette, et que je lui dis que c'est un truc du patrimoine qu'on cherche depuis des années, elle va m'allumer, quoi. Question de la lunette. Donc elle va voir le pigeon arriver. Donc j'ai eu 6 heures 30 de route pour élaborer un stratagème, hein, quand même, tout seul dans la voiture, ce qui était pas difficile. Et je suis arrivé dans cette brocante, immense brocante avec plein de vieilleries, une brocante. Et en faisant mine de chercher un cadeau pour l'anniversaire de mariage de mes grands-parents, c'est tout ça. Vous avez appris votre frère. Et j'ai appelé mon frère, alors, tout d'abord il a fallu que je trouve la lunette, parce que la brocante est assez grande. Alors j'ai fait le tour, il ne fallait pas que je me dirige tout de suite dessus, parce que ça, je me serais fait repérer. Donc j'ai regardé un peu les tapis qui traînaient, des armoires normandes, des horloges comptoirs, des maquettes de poteaux poussiéreuses. Il y avait des cases de la Première Guerre mondiale avec des toiles d'araignée, enfin bref, je me suis éclaté. Et enfin, au final, j'ai trouvé la lunette, vous pourrez venir voir tout à l'heure. On la montrait peut-être. Et ouais, allons-y. On l'a. Voilà. Un beau bébé. Donc vous pouvez applaudir, bon, je suis parmi vous. Merci. 1m35 en état et 9,5 kg. Donc c'est un...
Belle question. Donc quand vous pensez que ça c'était en haut de la tour et que c'était l'instrument principal de la tour, je vous assure que ça fait quelque chose. Oui, surtout quand on peut la toucher. On peut la toucher. Parce que dans quelques mois, elle sera là-haut et il y aura écrit « Ne pas toucher ben, ». Peut-être qu'on va pouvoir observer avec. Oui, observe, avec un peu de chance. Ouais. Alors tout ça peut nous mettre sur la piste de notre ultime Graal. Notre Graal à nous, le télescope perché, donc comme l'ont dit mes chers collègues du Seigneur, fabriqué par Axier Rachel, le type qui a découvert Uranus, excusez du peu. Il en a fabriqué quelques-uns qu'il a livré dans toute l'Europe, notamment à des familles royales en Espagne, il me semble à la femme du tsar de Russie, des ducs d'Angleterre, bref, des trucs sympas. Et un seul en France, à l'Académie de Dijon, donc c'est quand même... L'unique en France. L'unique en France qui a été livré. Donc si vous voyez un tube en acajou de 2 mètres de long, vous reprendrez ça. Vous l'avez à Brest, en Allemagne, je m'en fous, je vais l'acheter. Dans une cave, dans un grenier, dans un bateau, une navette spatiale, j'ai mis le reste, il n'y a pas de problème, je suis motivé. Vous appelez Juju. Juju, non, c'est mon numéro, là, ça. J'y vais aussitôt. Donc, nous, on voudrait tracer l'histoire de cette lunette, parce que on voudrait savoir ce qui s'est passé entre la guerre et Pézenas. C'est bizarre. Donc, il paraît que ça a transité par Nancy. Il paraîtrait que ça a transité par Nancy. J'ai essayé de demander des renseignements à la chère brocanteuse quelques jours après, mais elle a dû sentir qu'elle s'était un peu perdue, parce qu'elle avait du mal à me donner des renseignements, quand même. Et elle a quand même sorti à demi-mot que... la lunette avait transité par Nancy avant d'arriver dans ses mains. Donc nous, on cherche absolument le moindre petit indice pour pouvoir recroiser les autres instruments et les livres précieux qui ont été perdus dans ce truc-là. Donc pour pouvoir surtout retrouver ce petit bijou-là qui a été fabriqué par elle. Et qu'est-ce qu'on va en faire? On va le garder dans le car ou on va en faire quoi? Dans mon salon, il ferait très bien. Ça ne serait pas très décomparé. Oui, mais souvenez-vous qu'on est... Ah oui, c'est vrai. On est une association. Une association. Et nous, on aimerait beaucoup réouvrir la salle tout là-haut, sommet de la tour. Ça, c'est notre vrai projet, en fait, depuis le début. Parce que nous, on n'a aucun intérêt de garder ça dans un local de la salle. Ça sert à rien. Ce qu'on voudrait, c'est, avec la ville de Dijon, réouvrir, remettre tous les instruments là-haut, y compris ceux qu'on a retrouvés à la fac, là, les cartes de cesse, les petits télescopes et tout. Qui dorment là-bas, bon, ils sont exposés, mais c'est pas quand même pas lieu idéal. Donc on aurait vraiment, nous, si la ville de Dijon nous entend, un message, ouvrir assez vite cette salle là-haut et pourquoi pas même faire réparer la lunette qui est là et proposer des observations au sommet de la tour dans des instruments anciens, ce serait quand même pas mal, quoi. Ce serait tellement bien que finalement, avec tout ça, on se sentirait très bien. Ah, ouais. Ouais, comme le duc qui se sent Philippe Le Bon. Philippe The Good. Philippe The Good. Fabaret serait content aussi. Fabaret. Voilà, je vous remercie. Alors, tous nos amis veulent revenir sur scène. Si vous avez une ou deux questions. Revenez. C'est eux aussi qu'il faut applaudir parce qu'ils étaient tous là. Alors, est-ce que vous avez quelques questions? Est-ce que c'est indiscret de savoir le prix de... Tu as dit tout à l'heure qu'on nous fasse sans. Que tu t'es envolé depuis la place des intendances. Peux-tu nous dire cela se trouvait? Non. Ce payant avait plus. Il n'y a plus de micro. C'est la question de piège. Bon, alors, depuis quelques temps, j'ai essayé de chercher sur des cartes d'époque. Bon, il y a un lieu qui s'appelait l'intendance. En fait, je ne sais pas où était, donc si quelqu'un. A été en 1789, par là, qu'est-ce que c'était que la place de l'intendance? Je suis preneur du renseignement. Alors, il y avait une question sur le prix. Oui. Le prix de quoi? De la lunette? Est-ce que la brocanteuse savait d'où
pouvais. Non. Ah, tu peux peut-être répondre, Julien. Donc, le prix de base, c'était 750 €. Quand elle a vu que j'étais assez intéressé, moi je vous passe les détails, j'ai plus le temps, mais elle a essayé de me la faire à 2 500 €. Et après, des négociations un peu dignes d'un film d'Hollywood, j'ai eu à 400 €. Ouais. Alors, ce qui était rigolo aussi, c'était les coups de fil. Ils se planquaient de la brocanteuse pour nous appeler, nous, moi et le trésorier de la sauce, pour dire « Voilà, j'ai négocié ça, est-ce que c'est bon ?» et tout. Tu passais pour ma sœur. Oui. Elle savait la valeur sentimentale. Non, non bah, il n'avait pas dit qu'elle nous intéressait, nous, en tant qu'observatoire de Dijon. Elle vendait ça pour un simple... Elle n'avait peut-être même pas vu qu'il y avait une étiquette sur Dijon dessus. Donc, ça fait pas mal. C'est ce qui nous a aidé à la porte prochaine. Une dernière question, si vous voulez. Pas de question. Si. Les caractéristiques de la lunette. C'est une 100 mm de diamètre. Longueur focale, je ne sais plus. Elle avait une monture équatoriale. Elle avait un pied. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Elle avait un pied. Un pied en bois, et puis il y avait un pied fixe qui était installé sur la terrasse de l'observatoire. Donc il suffisait, le pied était toujours là, il a disparu aujourd'hui, mais il suffisait de la mettre dessus, puis de commencer à observer. Voilà. Bonjour. Oui. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Didier Bidot de Lille? Il a pu te donner des informations? Pas encore. Oui, on a... Nadège a réussi à nous procurer le numéro du petit-fils de Georges Bidot de Lille, donc on devrait l'appeler prochainement. Et puis, tu vois. Voilà. Oui. Attendez, la place de l'intendance, on peut la retrouver sur un plan. Oui, ça va, on va le trouver. Attendez, je vous amène le. Oui, mais. Bah, est-ce que la lunette fonctionne? Non. La lunette fonctionne? Non, pas encore. Il nous manque des oculaires. Elle n'a plus d'oculaires. Ouais. Il nous manque des oculaires, il nous manque la monture, il nous manque le pied, on n'a que le tube en fait pour l'instant. Mais on s'engage à la faire fonctionner et je vous assure, je vous promets qu'un jour on pourra vous faire observer depuis la terrasse avec cette lunette. Bon ben on va arrêter là-dessus, voilà, comme ça c'est bon. I feel good. I knew.